Bonjour et bienvenue. Ça fait tellement bizarre de pas avoir de casque. D'avoir ce look-là. Enfin bref. On est parti. Nous sommes partis. La dernière fois, on avait fini encore une fois la jungle en apocalypse. Donc maintenant, on fait que jouer en apocalypse. Ça se passe bien. Et puis du coup, on peut tester des choses avec une difficulté élevée et tout ça. Et peut-être qu'un jour, je relancerai la campagne en apocalypse aussi. Mais sinon, ouais, on est toujours comme ça. Bah, rien de très spécial. On essaye de finir ingénieur et tout. Et on se balade en mode aventure, quoi. Mode aventure apocalypse. Qu'est-ce que. Bah, regardez, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme. Comme consommable intéressant. Les consommables sont pas extrêmement intéressants. Augmente la génération d'énergie de 20. Et bien, même ça, c'est une concoction. Ça. Consommation d'énergie de 50%, dure 60 secondes. Ça, c'est bien ça. C'est bien. Ça fait quoi la truc bleue déjà? La puissance de mode. On peut faire comme. Après, c'est vrai que le saignement, c'est pas mal de pouvoir l'enlever, mais ça s'enlève facilement. Pourquoi ça, c'est. Genre, les concoctions, elles devraient toutes être à la fin, mais elles le sont pas. Enfin, bref. Après, on a des grenades et tout ça. C'est vrai que je les utilise pas, mais il y en a, c'était pas mal, hein. Genre, rien que ça, par exemple. C'est vraiment pas mal. Il y a plein de trucs bien. Enfin, bref. Oui, donc bah, c'est parti. J'étais en train de réfléchir à ce qu'on voulait faire. Non, non, je crois que la dernière fois on avait déjà reset un monde. Alors, on avait l'Ossomne en Apocalypse. La cour du palais. Si je reset, fais voir un peu comment ça fonctionne. Ouais, on avait réinitialisé le somme, l'apocalypse. J'ai pas trop envie de commencer dans la cour du palais. Est-ce qu'on peut commencer autre part? Je me rappelle plus vraiment comment ça fonctionne. Genre, je crois qu'on peut commencer autre part dans le somme. Ah, paroisse de Moreau. Ok, là on a différents. Ah, ça c'est. Du coup, ça c'est la tisse machin là, le fantôme là, à tuer. Ok. Ça aussi c'est bien de pouvoir voir ce qu'on fait. Ouais, on peut peut-être faire le palais au final. Parce que je crois que le palais. J'avais dit que je voulais pas faire le palais, mais au final, en fait, on doit faire l'autre histoire avec celui des ténèbres là, ou je sais pas quoi. Donc, du coup, ouais. Donc, ouais. Je voudrais bien finir ça, ce serait pas mal. Mais ouais, c'est sympa ce système quand même. Surtout de pouvoir voir en fait. On a quelle tourelle? Non, celui-là. Pas besoin d'allumer la lumière avec notre casque, c'est cool. Les épaulettes et tout ça sont vraiment belles. J'aime pas ça. Ah oh. C'est quoi le mieux comme tourelle ici? Hmm.
à la porte. Où est-ce qu'il tire? Pourquoi ça tire là? Pourquoi? Qu'est-ce que t'es en train de faire la tourelle? Putain, il attend que je me montre en fait. C'est pas mal ça. Tu veux prendre ça? Bizarre. Je vois pas pourquoi la tourelle elle tirait comme ça. Je rêve ou mon build là il fonctionne plus. Enfin mon build il fonctionne hein, mais genre récupérer là, la barre verte aussi facilement, j'ai l'impression que ça marche plus. Je vais peut-être remettre la mitraillette. J'en sais rien. Enfin, quand elle tire, quand elle fait des explosions de feu, ça fait mal, hein, mais. C'est con, hein. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaye de taper, de tirer sur quelque chose, je sais pas quoi. On va la changer, voir si ça change quelque chose. Si c'est le premier masque. Ça a l'air important, ça. C'est parti. J'ai l'impression que ma barre verte elle remonte plus comme avant. Je serai dans l'incapacité de dire pourquoi. Pourtant je crois que j'ai rien changé. C'est quoi les pierres les plus hautes? C'est royal peut-être ou parfait? Je dirais royal. Quoique parfait ça a l'air bien. J'en sais rien. J'en sais strictement rien. Alors il nous faut... Il nous faut la plume là-bas. Ouais, c'est bon, t'es mort. Bon ben, c'est boulot. Nickel. Je vais être quand même franc, je suis assez surpris qu'on y arrive comme ça. On a fait Yaesha tout en entier. En apocalypse. Je pensais que ça allait être un peu plus difficile. Mais le truc le plus difficile, je crois que c'est quand même la dernière zone de l'histoire du coup. Je peux pas le faire en aventure. Ce qui est un peu bête. Pourtant, mon build, c'est pas vraiment un truc optimisé. Enfin, peut-être qu'on n'a pas vraiment besoin d'être optimisé comme un porc, hein, j'ai envie de dire. Parce que les classes, elles sont tellement bien faites et tout. Au final, une fois que vous avez trouvé un petit système, hop, c'est bon, hein, ça passe. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, tu l'as fini, là! Merci, tourelle. Là. Ah
Nickel. Merci tourelle. Je fais un peu plus attention maintenant sur les décors et tout ça. Il n'y a pas des trucs qui sont cachés. Ils arrivent. Renforcé, ça c'est bien. Livre à lire. Ah, ça y est, il est là. Maintenant, s'il y a autre chose à faire avec lui, je crois pas. Vu qu'il est un peu, il est assez important, il nous donne la plume. Bon, bah, on va attendre. Vous voyez, ça c'est. C'est trop long pour des. Pour un jeu où on doit refaire les choses. Alors donne-moi la plume, quoi. Merci. Let's go. C'est parti. Haha. Ça, ça a été mis à jour. Alors, quel... Quelle scène on a? Il y a des trucs là. Ah, le postulant. Je suis pas super fan du postulant, faut aller au sang. Donc le postulant, faut aller jouer contre le... Le chef là est gagné. Je sens que je vais me prendre une malédiction directe. Ah putain, mes deux armes sont... Parti. Alors, c'est pas extrêmement dur, il faut juste bloquer les pions de l'autre. Alors, Tu
j'ai merdé. Bien joué. Putain, je suis nul. Oh mon dieu, j'ai gagné. Yay. Ça va faire 15 minutes que je suis dessus. Donc c'est l'arc. Oh, joli. Enfin, c'est bien. Au moins on a fini la quête. Alors, suicide direct. Parce que je vais pas jouer... Je vais pas jouer les pions là pour ouvrir les portes et tout ça. Donc il y a deux choses à récupérer. Il y a deux choses à récupérer ici. Il y a ici, il y a un anneau, il faut être à deux joueurs pour le faire. Et dans une des autres salles, je crois là peut-être, il y a l'armure ça là, l'armure de faille qui est très bien, qui est très bien au passage. Donc faites l'armure de faille. Vous n'avez pas besoin d'être à plusieurs pour l'armure de faille, donc ça va. Être seul suffit. Mais pour l'anneau, ouais. À l'anneau, il y a une série de deux portes, en fait. Il faut qu'une personne reste entre les deux. Et après que l'autre joue au pion, là, pour fermer la première porte et ouvrir la deuxième porte. Passage là. Donc ouais, je vais pas faire le reste, ça prend trop de temps. J'ai déjà perdu 15 minutes là. Tout simplement. On va refaire ça. Très bien, on va faire la porte. Ah, j'étais motivé là, ça m'a tellement frustré là de perdre autant de temps sur ce jeu à la con. Bon, enfin, allez, c'est parti. On va se remotiver à tuer des gens. La fresque, quartier de Brockwist. Donc ça c'est avec les petits enfants. Ils annihileront. Ah là peut-être que je peux revenir peu là. Je vais voir si je vais me faire choper ou pas. Non. Ok, je passe en slam. On va faire un train.
Très bien. Voilà. Petit train. C'est bien ça. Là, il va y avoir un gros normalement. Très bien. Tu peux pas te casser. Un enfant, on va le suivre. Très très bien. Nous les combattrons ensemble. J'imagine qu'on prend pas mal d'expérience, je suis pas sûr des fois. Il va où le gamin? Je crois qu'ils se sont tirés dessus. Yeah, j'ai bien tiré. J'ai bien envie de mettre l'anneau aussi qui augmente l'expérience. Qu'est-ce qui se passe? Ok, il est content. Peut-être que, ouais, si jamais on meurt... Je ferai attention. Si jamais on meurt, je remettrai l'anneau du chat. Mais bon, à moins que ça soit un boss. Ou alors qu'on ait la malchance de se prendre une boule de feu de notre tourelle en même temps qu'on se fasse taper. Ça devrait aller. Donc, je veux bien augmenter l'expérience. Les niveaux 7... Enfin, ouais, 7, 8, 9, 10, honnêtement, ils sont très très longs. Extrêmement longs. Il y a un truc là. Non. Je sais pas. Dire qu'il y a encore plein de choses que j'ai pas vues. C'est incroyable de se dire ça.
plein de boss encore. Enfin, plein. Il y en a sûrement encore une dizaine que j'ai pas vu. Des lieux, ça, oui, encore. Alors, c'est quoi ça? Le repos du laboureur. Monte ou pas encore. Repos du laboureur. Je vais être honnête, je suis pas vraiment sûr de ce que c'est. Source d'effroi. Je dirais que je l'ai pas celui-là. Ah si, je l'ai. Ah, il y a un NPC. C'est celui-là qui demande de... C'est quoi ça? Ah non, celui-là je l'ai fait en coop. Par ici. Les ténèbres. Elle nous appelle une créature. Elle se capte frère contre frère. Je l'ai vu d'autres. Et je vous. Alors, pour résumer. Pour la voir. Je sais. Et après le. Avant. Faut lui ramener un objet. Il faut bouger. Aller dans l'obscurité. Par contre, si j'ai déjà l'objet. Oui, oui. Tu peux pas. Bien, mais non. Reste loin des STD. Faut pas la trouver. Faut pas la prendre. Alors je crois que c'est. Courir, une amulette courir. Ou un truc comme ça à lui donner. Et en récompense, il nous donne un anneau. Qui est pas top, je crois. Bon. Par où on passe, nous? Et moi je crois qu'en coop on lui avait pas filé en fait ce qu'il voulait. Et la zone va être découpée je crois en trois endroits grand maximum où il y a des vagues de monstres qui vont venir. Et on va se faire posséder aussi. Et j'ai pas trop compris pourquoi en fait. Ah, quoique, en fait, non, si, je comprends, ça a du sens. C'est la, c'est le fantôme qui nous fait tuer tout le monde, en gros. En gros, je crois que c'est ça, l'idée. Je crois qu'on est obligé de passer par là. Ouais, je crois qu'on est obligé de se faire posséder, je dirais. Je fais des tests. Je fais des tests. Bon, attends, si on passe par là, c'est la même chose. Un coffre. Bon allez, on avance. Je sais pas si en fait il y a d'autres histoires avec lui. Voilà.
Bon ben, au boulot. C'est un peu grand par contre. Oh mon dieu. Quoi là-bas? Oh mon dieu. C'est quoi ces boules? Ça en a de la vie, oh la vache. J'aime pas ça. Qu'est-ce par là? J'aime bien ce qu'on va un peu vite, ça nous fait des ailes un peu comme les anges de Diablo. C'est parti. Donc faut survivre. Quelqu'un derrière la pierre, non? Ouais. C'est bien que ça passe à travers. Ah, c'est l'électricité, hein? Quel enfer! Pensez pas que. Là, elle est où la prochaine porte? Elle est là. Alors après on peut se mettre dans des coins et faire des coups de gorge. Hein. Je vais y passer. Et on peut faire ça. Hein.
rentrer dans les couloirs, c'est pas le top. On va se mettre là. Après, il y a des gros qui vont venir aussi, donc faire gaffe. Vraiment pratique, hein, la tour. Ok, très bien. Est-ce qu'il m'a fait saigner la tourelle? Il est en train de me... Il était en train de me défoncer pendant l'animation. Puzzle, je me demande si c'est toujours le même. 3, 2, 3, 4. Donc le 3 en 3ème position. Donc 5, 3. C'est pas très dur comme puzzle, mais il est cool. Ah, c'est vrai que moi j'ai pas besoin d'allumer ma lampe. J'ai de la lumière. Ah, il est là. 8, 5, 3. Quelque chose. Je sais plus si c'est le même. Voilà. 8, 5, 3, 1. Alors, normalement, on doit l'avoir. On va mettre ça. Pas mal. Il y a même des animations pour les tourelles et tout ça, même quand vous êtes accroupi et tout, quoi. C'est bien fait, hein. Il y a certains jeux où les animations se font pas dans certains états, hein. Ça va être chaud. Monte. Bon, non, je vais pas rechanger. Ok. Après, ça vaut le coup d'aller là-dedans. Je pense qu'ils peuvent tomber de là.
Où est-ce qu'on va se mettre? Se mettre en hauteur, c'est pas si mal. Ils ont tendance à mettre du temps à venir. C'est juste le où mettre la tourelle en fait. Je crois qu'on va juste rester là. Allez, mets-le ton putain de bouclier, bordel! Désolé. Il est mort là? J'ai essayé trois fois il titubait, genre il tombait un peu de 3 cm et tout ça, et à chaque fois ça a annulé l'animation, c'est pour ça que ça m'a énervé. Bon bah. C'est fait. Amulette d'esprit follé. C'est ça. Il est pas mal, hein. Il est vraiment pas mal. C'est pour ça que je suis en train de me demander, est-ce qu'on peut pas le... Attends, donner celui que j'ai et après récupérer l'autre. Toi aussi, tu le tuais. Elle aime... Écoute, alors, qu'est-ce que t'en dis? Tenez. Merci. Et t'en fais pas. Je ferai en sorte que cette chose puisse plus jamais faire de mal à quiconque. C'est bien. Regarde. Il y a quelque chose qui brille là-bas. Tu peux ramener ça par ici? Hé! Hey, ouvre les yeux, l'ami! T'as laissé un truc par terre! Je veux voir l'amulette, je l'ai perdue ou pas? Et les drames seront à nouveau en sécurité. Ok. Je serai en sécurité. Okay. Parce que celle-là, elle est pas mal en fait. Et les drames seront à nouveau en sécurité. Je serai en sécurité. Non! Je t'en supplie, ne pars pas! Arrête! Bientôt tout sera fini. Bon, bah, on a eu du lait. On a eu les deux choses, ça va. Je serai en sécurité. Fais voir un peu l'anneau. Augmente la vitesse de recharge de 5% pendant 15 secondes après avoir rechargé avec une 5 fois. Bon, bah, ça va, on a les deux récompenses. Oh, tais-toi, putain. On a les deux récompenses, nickel. Bien joué. Alors il paraît qu'il y a une exploitation avec un événement. Je l'ai jamais eu. Hein. Encore l'événement. Apparemment l'événement c'est où vous devez récupérer des mains, je crois. Et apparemment si vous faites un dégât genre de feu ou de foudre ou corrosion, genre un debuff en fait. Apparemment ça fait tomber plein de mains. Et vous pouvez vendre tout ça en fait, quelque chose comme ça. Je l'ai jamais eu encore l'événement. J'avoue, avoir de l'argent illimité, ce serait pas mal quand même. Hein. C'est vrai que c'est un peu le... Ah, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Hein. J'ai envie de dire.
Des fois, on n'augmente pas des armes exprès parce que bon, ça coûte cher. Ça aussi, c'est sympa de changer de zone. Et tout ce qu'on a tué reste mort, apparemment. On va aller aider le... pack de guerriers faillés, je crois, là-bas. Non, je savais pas. Est-ce que les dégâts sont pas plus augmentés quand j'ai mes dégâts augmentés à moi aussi? Allez, gamin! Mille et quelques. J'ai l'impression que plus on... Putain de merde. Je crois que quand ils font ça, c'est bon. Alors, hop. Augmente les dégâts au corps à corps de 15%. Ouais, trop bon. Basique, mais efficace. J'ai un nouveau pour le moment. Je suis dans la merde. Ok. Relique vous rend 15% de vos munitions lourdes. Ouais. Bon allez. Plus qu'un niveau. Putain, qu'est-ce que c'est long. C'est méga long. En plus on est en apocalypse, hein. Pourrait te dire que. Hey, ça va vite. C'est beaucoup d'expérience, mais non, hein, pas du tout. Je crois qu'on peut repartir. On peut aller parler à la dame, je pense. Mais sinon, on va devoir retourner dans le palais, je crois. Là, on a tout fait dans la ville.
quoi ça? Je m'en rappelle plus que ça. Ça, je sais plus du tout ce que c'est ça. Tant de papillons là. Tu veux pas me parler? Joie et bénédiction pour m'avoir ramené cet enfant. Je vous remercie. Je n'ai pas grand chose à donner, mais tenez, prenez ceci. La dernière fois, la première fois que j'avais dit qu'elle avait pas la bonne voix en fait. Mais en fait, c'est les enfants qui parlent à sa place. Vous voyez, notre monde a été déchiré. Mais je vais le rapier. Ce... Mais... Enfin, vous devez... Déjà parlé. Maintenez votre cap. Je... Bien. Le... Lorsque... Elle est un... Je vous... Je ne vous retiendrai pas plus longtemps, mon enfant. Oui. Ouais, ça c'est... Et celle qui nous donne le cœur rapiécé, je crois que c'est ça le nom. Là, on aurait pu avoir pas mal d'argent, là. Il me faut le deuxième masque. Je sais plus exactement le masque. Je crois que c'est une créature au sous-sol, peut-être. Nous, on avait tué la version donc lumière. On l'avait fait en vétéran, je crois. Non, pas en vétéran. Je crois qu'on l'avait fait en cauchemar. En tout cas, c'était assez chaud. Le combat était sympa. Alors... Est-ce qu'il n'y a pas... Oui, en face. Ça va, on a du pire. C'est reparti. Alors, où est-ce que ça nous mène? Alors, de retour au Fairbourg, on l'a déjà fait. Enfin, le Fairbourg, ça me dit quelque chose, mais bon, après, qu'est-ce qui se passe? Vénère les gens. Mais ma coiffe. Oh la vache, quoi. Là, ça serait putain, m'a fait peur à chaque fois.
La chasseresse, la première fois que je l'ai combattue, j'ai eu du mal. Ah, c'est bon, elle est partie. Ok. On va devoir se bouger les fesses parce que sinon elle nous a fait que nous attaquer. Et c'est avec la chasseresse qu'on m'a appris qu'on pouvait voler les rêves des gens. C'est pour ça que j'ai ce bâton depuis. La trappe rêve, ça fait longtemps que je joue. Oh mon dieu. Juste arriver à l'endroit et après ça arrête. Elle est sur les toits là, elle est en train de sauter de toit en toit. Elle est là. C'est classe hein. Ça sent pas bon. Ah ouais. Elle est en train de nous surveiller. Ok. Go tourelle, go! Ah oui, cette merde d'attaque là, ça passe à travers les murs. Honnêtement, j'ai eu du mal à la tuer, mon perso. J'étais pas en apocalypse. J'étais en cauchemar. Donc, difficulté juste en dessous. Et j'ai eu du mal. Elle m'a tué 3 fois. Après, c'est chaud avec du lag, honnêtement. Comme j'ai dit, quand je. Ce jeu, il aime pas vraiment OBS. Boum! Ça, c'est moi la tourelle, ça, c'est moi la tourelle. Quelle bonne. Donc le coup c'était un peu compliqué mais ouais elle est puissante. Il est au-dessus. On nous attaque. Oh la vache. Merde. Putain de ça. Ça va pas mal. Attends, là on a une porte. Mais je vais aller. C'est pas la chasseresse normalement ça. Oh mon dieu, ce carnage. Je crois pas que c'est la porte. La porte par la plume. Tu peux pas te cacher. Pour aller combattre la chasseresse. Putain.
Ah. Ok, je vais voir. Là-bas. Après, peut-être que ma mémoire est mauvaise. Hein. Peut-être qu'il faut vraiment prendre la porte, hein, c'est possible. Mais... je serais étonné. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ici. Ouais, elle dort. Alors, faut s'avancer doucement. Alors, attendez. D'abord, on va... on va activer le cristal. Il y a deux récompenses. Il y a sa lance. Je l'ai, la lance. C'est la lance qu'on peut jeter. Donc, il y a la... lance de la chasseresse. Ça fait un coup de javelin, c'est marrant, la lance en fait, comme une, comme un javelin, quoi, comme une lance. Et après on a un mode. Alors, je crois que c'est familier, je crois que c'est ça. Ouais, familier, peut-être. Je crois que c'est ça. C'est une sorte de... une sorte de... comment ça s'appelle ? Corbeau. Voilà. Super, ça faisait longtemps. Mais ça l'est stylé, hein. Ça l'est classe, hein. Ça, vous avez compris pourquoi. Oh, je l'ai réveillé. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Bah, c'est bien, on a bien avancé. On a un peu d'argent et tout. Ça, c'est... ouais, c'est... ça avance, ça avance. Putain, j'ai hâte que ça soit fini. Comme ça, après, je refais tous mes traits. Je pense que la prochaine classe... on va prendre une classe un peu pétée, apparemment. Je pense qu'on va prendre l'envahisseur. J'aurais bien voulu augmenter le chasseur aussi, et l'explorateur, mais... ah, l'explorateur, ce serait pas mal. Mais je crois qu'on va prendre envahisseur. Envahisseur a l'air bien pété. Peut-être qu'on on le mettra en premier, par contre. Je crois qu'il y a un truc bien spécial pour l'envahisseur. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao.